is this? C'est le premier festival parisien dédié aux cultures urbaines. C'est plus de 20 artistes qui font des performances murales et près de 20 heures de programmation réparties sur deux scènes. Le festival essaie durant ces deux jours de programmation de représenter le plus large panel possible de street artistes, en passant des vieux writers dont il était presque obligatoire de faire mention vu l'implantation du début du festival, qui part de Stalingrad, là où le graffiti est arrivé en Europe. Et c'est de représenter toute l'évolution jusqu'au graffiturisme, avec un panel d'artistes émergents comme reconnus. En parallèle de ça, on a souhaité mettre en place une programmation musicale et festive à travers des danseurs, des chanteurs et plusieurs groupes de musique qu'on peut retrouver donc répartis sur les deux scènes du festival. L'objectif du festival est double. Il s'agit d'une part de mettre en valeur le travail de la vingtaine d'artistes aujourd'hui qui sont en train de performer, ainsi que de tous les chanteurs et de tous les danseurs. Il s'agit également, et c'est pourquoi on a eu beaucoup de soutien des pouvoirs publics, de drainer du monde vers cette partie du nord-est parisien qui est parfois peu explorée, alors même qu'elle en vaut vraiment la peine. Effectivement, il y a eu un moment où le street art était interdit. Aujourd'hui, il est autorisé, mais sans rien enlever, je pense, à sa saveur, au contraire, puisque le fait de pouvoir travailler de manière confortable, le fait de pouvoir en vivre, le fait d'avoir un public qui répond présent, je pense que c'est une des bonnes choses pour pouvoir continuer à le stimuler. Que je n'ai montré le bout du nez. Boudiné comme un bon gros bébé. Un beau baigneur né donc vainqueur que ne peut snober ni moqueur ni mot de cœur. Aimer. Le fait de peindre aujourd'hui, c'est d'abord le plaisir en fait de peindre dans un endroit qui pendant très longtemps était interdit. Donc maintenant qu'on a la possibilité de venir faire un mur, c'est vraiment quelque chose qui est plaisant. Et après, c'est aussi le partage. On partage aussi un moment avec les gens qui passent. L'art dans la rue, en général, c'est plutôt ça. Hein. C'est peindre au milieu des gens pour que les gens puissent le voir en cours de réalisation. Et après, quand il est terminé, voilà, ça devient une sorte de compagnon de route quand on passe là. L'ancrage qui fait couler de source l'encre dans mon sillage, qui fait kiffer, papillonner des cils, les sages ou les passages sylphides sur mon passage, qui fait japper les gens qui jasent, jacassent et jactent. Parce que du mal, j'ai tourné la page. C'est mon encre sympathique ou non, comme un oui ou un prénom. Simple article au rayon multiple des appellations qui peuvent sonner comme le sommaire de certains traits de caractère ou de tout leur contraire. Mais sinon, le prénom assume et assure toujours... Il y a des personnes, bien sûr, qui sont plus ou moins en vogue, oui, c'est clair. Après, il y a aussi quelque chose qui peut paraître étonnant, c'est qu'à travers le graffiti, des personnes ont réussi
à s'ouvrir des portes dans des domaines qui sont très éloignés à la base du graffiti. Actuellement, je travaille beaucoup sur tout ce qui est tribal, tribalisme, le symbolisme aussi. Donc, c'est des choses assez différentes. Ouais. Et la calligraphie, parce que j'ai fait beaucoup de calligraphie. Par exemple, pour certains rendus, je vais utiliser du pastel gras. Pour d'autres, je vais utiliser de l'acrylique. Parfois, je vais mélanger l'huile et l'acrylique. De temps en temps, je vais utiliser la bombe parce que ça va donner un certain rendu. Je vais utiliser mes mains, je vais utiliser des racloirs, des pinceaux. Donc, selon le rendu qu'on a envie d'avoir, on va utiliser une partie de son corps ou un outil approprié. Là, ce qui me plaît justement, c'est tout ce qu'on voit autour. C'est le monde, ça va ramener énormément de monde et pouvoir faire découvrir en fait nos disciplines. Donc moi je suis novice là-dedans, donc je débute, j'ai pas trop l'habitude, mais voilà, c'est, je peux montrer mon art, je peux voir d'autres artistes que je connaissais pas, et voilà, c'est partager avec la population, montrer que le street art n'est pas que négatif, donc voilà, c'est faire découvrir un petit peu ça à tout le monde. Moi je vais faire essentiellement du portrait, après je peux faire un petit peu de tout, mais ce qui m'attire c'est vraiment le portrait. Et les traits du visage, je cherchais vraiment plus des vieilles personnes, personnes âgées pour les rides, ou des personnes un peu défavorisées, etc. Parce qu'ils ont vraiment un visage marqué, il y a vraiment une histoire. Donc j'ai pu se tendre là-dessus. Comme celui-ci, ça va être c'est un SDF à la base, donc qui se porte avec les lieux, il a les marques un peu de la rue. Donc voilà, je suis parti là-dessus. J'ai besoin d'extérioriser, et ça montre une certaine dynamique. En fait, au début, on peut voir derrière, ça fait des petites vagues. Je voulais faire un peu passer le message du vent sur le canal. Et après, j'avais besoin de mettre beaucoup d'énergie. Donc, les explosions de peinture qui arrivent toujours à la fin de mes peintures pour terminer en feu d'artifice, en fait, en apothéose. C'est un travail de transfert. Donc, c'est une sorte de collage, mais inversé. En fait, l'impression est collée face au support et avec une sorte de colle liquide, un produit qui est fait pour ça. L'impression vient se s'ancrer dans le support et moi je m'attache là à détacher la feuille qui se détache progressivement en fait de l'impression et donc à révéler petit à petit ce travail graphique un peu que j'avais préparé en amont, qui est un mélange de photos d'hypnose et de live télé aux États-Unis, une sorte de questionnement sur la mise en scène de nos vies chaque jour un peu plus importante. C'est ça, l'artiste doit être un magicien, mais après, l'œuvre street art, elle est, comme elle est éphémère, sa construction même fait partie entière, totalement, de l'œuvre elle-même. Donc le fait que vous me voyez là, avec cette brume, galérer un petit peu, enlever cette feuille, remettre, voir les endroits où j'ai envie de le laisser, d'enlever, tout ça fait partie du truc. Donc le bruit de la rue, c'est très important, le bruit de la ville. Le bruit de la ville, c'est le silence, c'est aussi les voitures, les klaxons, les gens qui viennent discuter. Tout ça prend forme ici et c'est très important. Ouais. Le street art vient de là, le street art c'est une opposition aux institutions, à la police, à beaucoup de choses, à la ville. Et en même temps ça la fait revivre. Moi j'ai pris du street art l'essence de, comme vous avez dit, la mise en scène, la rue, l'essence, tous les sens. Et se confronter à un truc très direct de peau, d'urbain comme ça. La toile, on est plus livré à nous-mêmes, avec les émotions, voilà. Et le mur, en fait, le mur, c'est une espèce d'ouverture vers tout le monde. En fait, ça fait partie d'une partie de mon travail où je réalise pas mal de héros qui sont liés à la BD, Superman, des Catwoman. Ça peut aller à du Dragon Ball Z, à du Star Wars, voilà. Parce que j'ai plusieurs univers dans mon travail et voilà, ça c'est plutôt ce côté-là. Y a-t-il un festival 2? Oui, on l'espère. Alors on tirera les conclusions probablement à la fin de l'événement sur comment s'améliorer, comment faire mieux l'an prochain. Mais oui, on a déjà quelques pistes et je peux vous la dévoiler ici. L'idée, c'est de jumeler Paris avec une autre capitale européenne pour faire un festival simultané à deux endroits au même moment et faire des grands échanges d'artistes pour contribuer à rendre vivaces ces cultures urbaines.